voulez une histoire, les enfants? J'ai une petite histoire pour vous. Oui, bonjour, mon nom est Mike. Dans un film d'horreur, tu m'identifies au tueur. C'est une série de la Horror Block. C'est Nerd Block qui fait sa version horreur à l'année. Moi, c'est la deuxième fois que je la commande. La dernière fois que je l'avais commandé, c'était l'année passée pour le huge unboxing qu'on avait fait. 9 boîtes. Je l'ai recommandé cette année. C'est l'Halloween. Je l'ai commandé avant même de savoir les licences. Ensuite, j'ai vu que les licences entre elles et Loot Crate se ressemblaient plus ou moins à quelques différences. Et j'ai longtemps hésité avant de commander Loot Crate. Je ne l'ai pas prise finalement. Je me suis dit, bon, une, c'est assez. Par contre, en voyant l'unboxing, vous pouvez aller voir l'unboxing de sa déboîte. Je vous le laisse dans la description. Le t-shirt qu'ils avaient inclus de The Walking Dead. J'ai regretté, j'aurais dû la prendre. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère vraiment que ça arrivera à me compenser pour le t-shirt. Mais bon. Donc, on y va. Ne tardons plus. Horror Block de Nerd Block. Une compagnie canadienne, bien entendu, qui livre depuis l'Ontario, Oshawa, si je ne me trompe pas. Non, pas Ottawa, la capitale, mais bien Oshawa. Donc, voilà, je l'ouvre et je vous montre. Je prends ce t-shirt. L'année passée, on avait reçu un t-shirt de Jason, si je ne me trompe pas. Ouais, on voyait lui, son masque, en fait, comme si c'était la lune avec le lac et tout ça. Maintenant, c'est Halloween avec Michael Myers. Pas mal. Run for your life. Ouais, pas mal. Donc, voilà, c'est Nerd Block. Je comprends pas pourquoi ils mettent plus Short Punch. Alors qu'on sait bien que c'est la même compagnie. Voilà, ce sera le t-shirt que j'aurai lors du prochain unboxing. On continue. Oh, un DVD de Demonic Toys. J'avais oublié, ils incluent toujours un DVD d'horreur dans leur box. Est-ce que c'est zoné? Ça dit Origin Code Zero. Je ne sais pas si ça veut dire parce qu'il n'y en a pas ou si c'est une région spécifique. Donc voilà, Demonic Toys. On verra. On verra. Ça a l'air très série B, mais bon. Oh. Ah, très très bien. Voilà, The Walking Dead, un petit carnet. Je rappelle qu'on en avait un similaire lors de l'IGN. IGN Limited Edition Block avec Warcraft. J'ai jamais joué le jeu, donc ça m'interpellait pas plus que ça. Mais là, oui, The Walking Dead. Bang! Ouais. Très, très bien. Parfait. On continue. Oh, d'accord. Un money clip de Ouija pour mettre ses billets. Je vois pas l'utilité. Maintenant, on a chacun nos portefeuilles où est-ce qu'on met nos billets. Bah, c'est toujours intéressant, mais sans plus. Je pense que l'année passée, nous avons mis un tapis de souris Ouija. Donc, les licences reviennent un peu. Ensuite, Rue Morgue. Ouais. Bon.
on dirait plus un petit magazine pour promouvoir leurs propres affaires. Donc, bon, oui, pourquoi pas. D'accord, on a un stylo Dexter. Oui, il y avait la licence Dexter qui ressemble à une seringue. Avec du sang à l'intérieur. Oui, ça c'est intéressant. Je travaille dans un bureau, alors j'écris quand même assez beaucoup. Donc le carnet est ça. Oui. Ensuite. Ah. Une photo de Doug Bradley. Autographié avec un certificat d'authenticité. Ça m'en fait deux lors du même mois. Mais bon, mon ami Regis, le collectionneur, m'a informé que sa signature pouvait se vendre aux alentours de 25 dollars américains. Donc voilà. Oui, voilà, donc c'est pas le même effet que le recevoir dans une boîte où il y a une chance sur 10 de le recevoir, ou dans une boîte où on ne savait même pas. Donc, surtout que c'est la deuxième fois. Donc c'est assez cocasse. Voilà. Ensuite, deux codes pour 10 dollars de crédit. Oh, ok. Il y en a un qui est 10 dollars pour la boutique shirtpunch.com. Très bien. Et l'autre, c'est pour nerdblock.com/shoplaunch. Donc, on dirait que Nerdblock va avoir leur propre boutique de goodies. Apparemment, c'est déjà sorti le 20 octobre. On va aller regarder ça. J'ai un petit 10 dollars de rabais dessus. Pourquoi pas? Ensuite, café pète. On peut avoir le zombie ou Rick. Ou Michonne, j'aurais préféré Rick, mais bon, Walking Dead, c'est quand même les zombies. D'accord, prochain thème. Vaudeville. Prochain thème. Prochaine licence, ils n'ont pas de thème, c'est vrai. Il y aura Krampus, Freddy contre Jason et Gremlins. Et plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, les thèmes vous parlent, les licences vous parlent, allez-y, nerdblock.com, cliquez sur horreur. Moi non, je le fais vraiment simplement pour l'Halloween, le thème d'horreur. Donc, malheureusement, pas séduit par la boîte, je dirais comme Mathieu. Manquer une figurine, on en revient toujours à ça. Mais c'est vrai, il manquait une figurine, malheureusement. Et voilà, donc, bien que le carnet soit intéressant, la signature, c'est... C'est incroyable, deux fois la même signature dans le même mois. Par contre, il manquait quelque chose de plus, malheureusement. Mais bon, j'avais pris ça one time, ça finit là. Voilà, c'est ça. Mais je veux vous entendre, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'article que vous avez le plus préféré? Je vous rappelle le t-shirt, la signature de Doug Bradley. Vous pouvez vous répéter si vous l'avez aimé dans The Collector's Case. Vous pouvez encore l'aimer. C'est à vous de me le dire. Magazine
rue Morgue. Le DVD Demonic Toys. Le stylo seringue de Dexter. Le porte-billet de Ouija. Ou le petit carnet de The Walking Dead. Je veux le savoir, dites-moi-le dans les commentaires. Et restez aux aguets si vous voulez remporter la Romero Box Disney. Ça se passe sur Facebook, dans le groupe Romero Box. Dans les événements, vous allez voir toutes les boîtes qui s'en viennent en fait. Et pour le mois de novembre, il y a celle de Disney. Donc si le thème vous plaît, rejoignez le groupe. Vous aurez la chance de remporter la boîte offerte gratuitement. Frais de port à vos frais, malheureusement. Si on ne peut pas se rencontrer, il faut la remettre en main propre. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un petit pouce en haut. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et commentez à savoir quel est l'article qui vous a le plus plu. Donc, moi, je veux le savoir. J'attends de voir vos réponses. Et comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.